Ce 19 septembre, le Royaume-Uni avait un rendez-vous plein de chagrin avec l'histoire. C'est en effet ce lundi, après 11 jours de deuil national, que les Britanniques ont fait leurs adieux à Elizabeth II. La monarque qui avait célébré en juin son jubilé de platine est décédée paisiblement dans son château écossais de Balmoral. C'est dans cette résidence d'été dans laquelle elle conservait tant d'heureux souvenirs. Que la monarque avait souhaité s'installer malgré une santé déclinante et contre l'avis de certains de ses conseillers. Depuis plus de 60 ans, ses funérailles se préparaient dans le plus grand secret. La reine avait choisi les prières et les chants et jusqu'au modèle de corbillard qui la conduirait jusqu'à Windsor. Quelques 500 dirigeants venus du monde entier, parmi lesquels le président Macron et son épouse, se sont retrouvés ce lundi dans l'abbaye de Westminster pour le point d'orgue de ses obsèques d'État. Un moment d'émotion pour le public venu en masse assister aux adieux à la reine. Mais aussi pour la famille royale. Après de compréhensibles hésitations, le prince William et son épouse Kate ont fait le choix de permettre à George et Charlotte, leurs aînés, de participer à la cérémonie, tandis que Louis, jugé trop petit, était absent. Charlotte, bien que désireuse de respecter le protocole, a été saisie pleurant à chaudes larmes celle que les enfants Cambridge surnommaient Jane. Après les émouvantes obsèques publiques, le corps d'Elizabeth a été descendu dans la crypte royale qu'elle partage désormais avec ses parents tant aimés. Sa sœur la princesse Margaret, et son époux le Datalin People égal à 5BC3E8019A4F31A908AC77CD2FBB7AC Prince Philippe. Dans la soirée, la famille royale a surpris le public en publiant une nouvelle image bouleversante de la monarque. On y voit Elizabeth II en pleine promenade dans la lande, bien loin des contraintes de la vie de reine. En légende d'une citation de Hamlet de Shakespeare dans laquelle le fidèle Horatio fait ses adieux au héros qui vient de s'éteindre. Que des nuées d'anges bercent ton repos de leur chant peut-on lire. Alors que la canne, symbole de son pouvoir, a été brisée au-dessus de son cercueil, la reine redevient Elizabeth, libre, pour l'éternité.